Imaginez ce moment crucial où les caméras sont braquées sur Alger. Quelques jours à peine après les déclarations percutantes du président Abdelmadjid Tebboune concernant le partenariat entre l'Algérie et l'Union européenne, une nouvelle voix s'élève, celle d'Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères. Ce n'était pas une simple déclaration, c'était un rappel sévère, un coup de semonce à ceux qui croyaient encore que l'Algérie se plierait aux intérêts européens sans rien dire. Attaf ne mâche pas ses mots. Avec une clarté et une détermination impressionnantes, il affirme haut et fort que l'Algérie ne sera jamais réduite à un simple réservoir de ressources pour l'Europe. L'heure de la révision du partenariat approche, et cette fois, il est hors de question que les intérêts algériens soient mis de côté. Ce partenariat doit reposer sur l'égalité, le respect mutuel et surtout sur un véritable équilibre des intérêts entre les deux parties. Mais Ahmed Attaf ne s'est pas arrêté là. Lors de son discours à Alger, il a précisé que l'Algérie travaille activement pour établir une relation équitable avec son voisin méditerranéen, l'Union européenne, une relation qui ne soit plus dictée uniquement par les profits immédiats. Il insiste sur une idée forte. Le partenariat doit être rééquilibré, non pas au profit d'une seule partie, mais pour garantir des bénéfices partagés, avec en priorité le développement économique de l'Algérie. Plus question de subir des conditions restrictives, des obstacles ou des compromis qui freineraient les ambitions algériennes. Attaf a été clair, la vision de l'Algérie dépasse de loin le simple commerce. Il s'agit d'une approche stratégique, ancrée dans le développement durable. Ce message, Attaf l'a lancé sans ambiguïté, visant directement une Europe trop souvent préoccupée par ses propres intérêts, oubliant ceux de ses partenaires. Le ministre a souligné que l'Algérie est prête à réviser l'accord d'association avec l'Union européenne pour l'adapter à la nouvelle réalité économique du pays. Un accord qui, selon lui, doit être un véritable levier de développement durable pour l'Algérie et non une source de dépendance. Dans ce contexte, le discours d'Attaf résonne comme un avertissement. La diplomatie algérienne, sous la direction du président Tebboune, continuera de renforcer les relations avec ses partenaires, mais toujours dans le respect de sa souveraineté et de ses priorités. L'Algérie, loin d'être passive, s'impose désormais comme un acteur majeur dans la région, exigeant que ses intérêts soient pris en compte de manière équitable. L'Union européenne, prévenue par ses paroles, sait désormais que l'Algérie ne cédera plus face à des accords déséquilibrés. C'est une Algérie déterminée qui affirme sa place sur la scène internationale, prête à réécrire les règles du jeu pour que chaque partenariat soit gagnant-gagnant.